Alors dans cette vidéo on va aborder les tant attendus plans de formation car c'est la première vidéo de la playlist que vous vu ouvrir Construire son équipe. Qui dit construire son équipe dit plan de formation. Alors j'ai une pensée pour tous les débutants qui sont arrivés sur un au moment du premier confinement en mars, au moment où je crée ma chaîne, et qui ont donc grandi en même temps que cette chaîne et qu'on puisse suivre. Euh Petit à petit, euh, les vidéos qui okay, allaient dans une sorte de progression. Et j'ai essayé de me caler, justement, en termes de progression sur eux, le temps qui passait. Et justement, ces débutants qui ont débuté comme moi sur YouTube, et ils ont commencé un premier cycle d'entraînement que je conseillais de monter jusqu'à légendaire, ce qui allait prendre à peu près une quarantaine de semaines en moyenne, selon la caractéristique entraînée. Et ça y est, ça va bientôt arriver à terme. Et donc, se pose la question de qu'est-ce que je fais de ces joueurs que j'ai formés et qu'est-ce que je forme maintenant. Donc, on arrive au moment de parler des plans de formation. Alors, c'est quoi un plan de formation On dit plan de formation, mais ce serait plutôt un plan de construction de son équipe. C'est pour ça que j'ai appelé la playlist, construire son équipe, parce qu'il n'y a pas finalement que de la formation, il y a aussi des achats de joueurs de temps en temps. Et c'est surtout, on doit penser sur le long terme. C'est vraiment, vous allez construire votre équipe dans le temps. Il faut à s'attabler à réfléchir à beaucoup de choses. Alors il y a deux aspects fondamentaux. Le premier, c'est qu'on améliore le niveau de son équipe en formant des joueurs, la base, et on fait entrer de l'argent à coups de millions grâce aux ventes. Donc il s'agit d'une succession de cycles d'entraînement et une succession de ventes et d'achats de jeunes. Bref, du basique, vous allez me dire ça, Seb, on le sait, tu nous l'as déjà expliqué. Bah, félicitations, si vous le savez, que vous avez bien compris. C'est impeccable et ça va se corser, ne vous inquiétez pas. Alors du basique, du basique, oui, mais aussi du complexe si vous voulez vous en donner la peine. Car il va falloir réfléchir à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Synchroniser les, euh, comment dire, l'entrée d'argent avec la montée des salaires, les caractéristiques, enchaîner les bons, dans le bon sens, les bons plans pour que les entraînements complètent les premiers jours formés. Il y a quand même beaucoup de choses à prévoir. Et tout ça, ça va dépendre de vos objectifs à vous pour votre équipe. Il y a différents plans possibles. Clairement, il y a plusieurs façons d'arriver pour avoir une équipe qui soit compétitive de niveau division 4. Je vise pour vous la division 4 qui, pour moi, même si en division 5 il y a de belles équipes, en division 4, c'est quand même. Division 6, bon, vous avez tout. Division 5, il peut y avoir des divisions 5 très costaudes. Mais division 4, c'est l'antichambre du monde professionnel, c'est-à-dire Div 3, Div 2 et championnat. Division 4, vous allez avoir des monstres. En division 4, on ne peut pas se permettre d'être un petit peu tendre. C'est vraiment déjà un gros niveau. Autant avec une équipe moyenne, on peut être en division 5. Autant en division 4, non, il faut déjà être balèze. Mais on se fait quand même dominer par les équipes de Div 3. Mais la Div 4, c'est déjà costaud. Donc l'objectif, déjà, c'est de se poser en division 4 et de se construire une équipe qui est déjà un petit peu du répondant. Donc il y a différents plans possibles. On peut commencer par ailier, puis après construction, puis après buteur, puis après passe. Alors pourquoi passe en dernier Parce que bah, passe, ça va former les ailiers, construction, les, les milieux et les buteurs. Donc autant euh, donner de la passe à tout le monde. Après, il y a d'autres plans possibles. Vous pouvez faire... Et là, je vous mets un stop, les gars. Je vous ai vu là, au fond, avec les yeux qui brillent, en train de se dire, ça y est, Seb, il va nous donner les plans de formation pour réussir. Ça marche pas comme ça, les gars. Ça marche pas comme ça, une demi seconde. Qu'est-ce que j'ai marqué en bannière sur ma chaîne? Comprendre, réfléchir et décider. Donc, on va s'atteler dans les prochaines vidéos à avoir des nouveaux concepts pour comprendre ce à quoi on doit réfléchir pour décider notre plan de formation. Je fais pas une chaîne d'assisté les gars. On est hors de question. Pensez pas que j'allais vous donner comme ça des plans de formation tout faits pour réussir une équipe en contre-attaque, une équipe basique. Non. Non, pas la peine. Vous pouvez ranger les stylos et, et les feuilles pour marquer les plans de formation. Non, je ne ferai pas ça. Et vous savez je pourquoi Parce que j'ai l'honnêteté de vous dire que je n'ai pas la vérité dans ce domaine-là. Il y a tellement de paramètres, il y a tellement de solutions possibles pour arriver au sommet. Puis en plus, votre équipe, c'est la vôtre. Il faut la personnaliser, l'individualiser. La Elle doit correspondre à votre façon de voir le football, de, de penser, quoi. Donc, en vrai, non. Vous ne trouverez pas sur ma chaîne des plans de formation tout faits. Mais je ne vous abandonne pas. Je vais vous accompagner pour que vous puissiez comprendre. Poussez correctement à réfléchir et à la fin décider comme il le faut. Alors ce que je veux vous amener à faire, c'est poser les bonnes questions, car qui fait un bon plan de formation se pose déjà les bonnes questions. Quand vous vous faites construire une maison, ben, vous posez des questions. Euh, J'ai combien d'enfants Ah j'en ai deux, oui c'est vrai, j'en ai deux. Ok, donc il faut deux chambres pour les enfants, une pour nous, une chambre d'amis. Je veux un bureau. Est-ce que j'aurais vraiment l'utilité du bureau Bref, vous posez des questions. Pour un plan de formation, c'est la même chose. Donc déjà, quel style pour mon équipe est-ce que vous voulez une équipe spécialisée dans une tactique Tire de loin. Tire de loin, ça ne s'improvise pas. Afra, tire de loin. Contre-attaque. Vous pouvez monter vraiment une grosse équipe contre-attaque avec une grosse défense, des bons buteurs, des défenseurs et de la passe, et puis vas-y, en route Simone. Vous pouvez faire une équipe jeu créatif, avec plein de joueurs imprévisibles, rapides. Voilà. Il faut vous trouver un style qui vous corresponde à vous. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre une équipe à spécialité. On peut prendre juste une équipe offensive, un gros milieu de terrain, des gros buteurs et puis pas grave pour la défense parce que de toute façon je compte avoir des milieux de terrain magiques, et avoir la possession donc la défense on s'en cogne. Une équipe défensive, grosse défense divine et puis bah, voilà où c'est de gagner les matchs 1-0, c'est un style moi j'adore gagner les matchs 1-0. Ou bien une équipe généraliste qui s'adapte à son adversaire, qui a des caractéristiques de joueur qui permet de, si vous avez vu mes vidéos sur euh, sur le laboratoire tactique où j'avais filmé mes, mes compositions pour un tournoi. J'ai des joueurs qui permettent, ils peuvent jouer défenseur, peuvent jouer ailier, et selon où je les place, ça change les notes. Moi, c'est le genre d'équipe que j'essaye justement de, de monter. Ils sont des joueurs, j'ai des joueurs à spécialité, mais j'essaye de construire des, des, des joueurs qui ont des profils qui me permettent de, avec un effectif euh, dense, on va dire, de 14-15 joueurs, de vraiment pouvoir changer mes notes de, de, de secteur grâce à la caractéristique des joueurs. C'est peut-être un petit peu compliqué pour un débutant de percevoir tout ça, mais voilà, on peut avoir une équipe qui n'est pas spécialisée dans une, dans une tactique, mais qui arrive à faire quand même de bonnes notes au besoin en contre-attaque ou en pressing. On tire de loin, c'est mort. On tire de loin, ça ne s'improvise pas. Bref, il faut se demander quels joueurs à spécialité sont utiles pour le profil de mon équipe. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils sont utiles Parce qu'ils m'apportent un bonus dans une tactique, parce qu'ils peuvent me marquer un but, et du coup, à quel poste je vais les mettre et là, du coup, c'est pareil. Si vous les mettez à un poste spécifique, normalement, vous avez bien suivi mes cours, vous savez quelles caractéristiques il faudra pour que le joueur spécialité puisse exploiter sa spécialité. Et après, les super bonnes questions qui suivent, c'est quel niveau de caractéristiques pour chaque poste Est-ce que vous voulez des milieux de terrain légendaires, des milieux de terrain titanesques, ou bien des milieux légendaires seulement parce que vous allez avoir des alliés avec de la construction ou des défenseurs avec de la construction Il faut penser au secondaire, justement surtout pour les joueurs à spécialité, si vous voulez qu'ils marquent des buts ou pas. Et il faut prévoir en fait un effectif, j'ai envie de dire, dans la totalité de la chose. C'est du boulot, hein, un plan de formation, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire former les liens, former les constructions, non, ça se monte complètement. Il faut avoir un but à obtenir. Et il faut également étudier le marché, parce que vous formez aussi des joueurs pour les vendre, donc il faut prévoir vos recettes pour prévoir vos achats. C'est sûr qu'au début vous allez acheter vos premiers jeunes, bon à dire que vous avez une petite enveloppe à 300 000 au début, la première fournée que vous avez faite c'était 300 000. Après la vente des joueurs du premier cycle, vous allez peut-être avoir 3, 4, 5 millions à dépenser. Donc vous pourrez acheter des joueurs de meilleure qualité. Mais vous devez aussi donc du coup vous renseigner sur le prix de vente de ceux que vous allez acheter. L'histoire, c'est pas forcément de, de claquer, si vous avez 5 millions, de claquer 5 millions dans des jeunes. Peut-être claquer que 3 millions, puis garder 2 millions pour la trésorerie. Euh, trésorerie du tout venant, quoi, de tous les jours, peut-être agrandir le stade, prévoir un changement d'entraîneur, pas tout claquer non plus. Mais ça, c'est à vous de le prévoir, à réfléchir sur le long terme. Alors, question ultime, comment je fais, Seb, pour prévoir tout ça Alors, moi, ma technique, c'est de rembobiner. Il faut que vous vous rembobiniez. Oui, rembobiner, mais pas la bobine. Vous rembobinez de l'arrivée au départ, et non pas du départ à l'arrivée. Moi, ce que je faisais, c'est que je mettais sur papier l'équipe que je voulais, voilà, j'ai une grosse défense, du milieu de terrain aussi, et puis il ouais, des bons attaquants, ok, d'accord, tel poste, je voudrais mettre des, des imprévisibles, des rapides, ce que tu veux. Puis je me dis surtout, ok, bon, je veux des milieux de terrain titanesques. J'en veux qu'il y en ait qui, milieu de terrain titanesque, moi je veux qu'ils soient au moins brillants en défense. Après, je veux qu'ils soient au nord à passe. Il me faut des défenseurs avec un peu de construction. Là, il me faut des défenseurs, bah allez, je vais me contenter de son naturel. Là, les ailiers, je vais bourriner pareil, titanesque. Les attaquants, titanesques. Une fois que vous avez mis ça sur le papier, bah, vous rembobinez. Comment je fais pour obtenir des milieux de terrain titanesques. Ok, ben forcément, faut former milieu. C'est quand, quand même pas compliqué. Ok, donc je pars, je forme milieu. Ah, tiens, si je forme milieu, ben ça, forme, ça forme aussi les ailiers. Ah, donc il faut peut-être peut mieux commencer par ailier si je veux avoir des ailiers avec de la construction. Comme ça, quand je vais former construction, mes ailiers sont là, ils vont profiter de l'entraînement construction. Sinon, si je commence par la construction, il va falloir que j'achète des ailiers qui ont déjà du, de la construction. À ah, moins que... À moins que j'achète des milieux de terrain et que je forme en ailier, Et du coup, ça compense. Oui, mais quand je vais former construction, du coup, je, mais mes slots en 50% d'ailier sont perdus pour la construction. À moins que j'ai commencé par défense et que du coup, je fasse jouer mes défenseurs centraux en ailier pour qu'ils profitent de la construction. Et après, j'achèterai des milieux de terrain pour former en ailier, Ils auront déjà la construction parce que j'aurai acheté des milieux de terrain. Et ouais, voilà, vous voyez, c'est tous ces genres de questions, il faut réfléchir, c'est vraiment un casse-tête. C'est vraiment, oui, c'est vraiment le terme, un casse-tête. Il faut emboîter les pièces les unes avec les autres. Et quand vous décidez de former Hélier, vous n'êtes pas obligé d'acheter un Hélier. Comme j'ai dit, vous pouvez acheter un milieu de terrain euh, impressionnant de 18 ans, avec, je ne sais pas, moi, Honorable Paz, voilà, c'est un milieu de terrain, vendu impressionnant en construction, euh, passe Honorable, et il a juste Hélier, il est juste un médiocre en Hélier, c'est pas grave. Ben, vous le prenez, vous formez Hélier. Au moins, vous avez déjà votre impressionnant en construction. Défenseur c'est pareil, si vous voulez un défenseur avec de la construction, vous pouvez acheter un milieu de terrain honorable avec juste faible défense, vous commencez de défense. Ça va être un petit peu long, parce que la défense c'est très long. Et puis, en rebovant tout ça, vous allez voir à un moment que, bah oui, mais attends, si je fais tous ces cycles de formation, oulala, oh mais j'arrive, le, le premier que j'ai commencé à former, aujourd'hui, il a 32 ans. Donc vous allez vous rendre compte qu'à un moment, il bah, y a des joueurs, il faudra les acheter. Vous ne pourrez pas les former. Alors pour tout ça, forcément, il y a des outils. Alors pour vous aider à réaliser ce plan de formation, il faut simuler les choses forcément. Donc vous pouvez utiliser deux outils qui sont importants que vous pouvez déjà vu utiliser. Vous allez sur le site Adtrick Portal, dont je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et là on a un calculateur d'entraînement et vous avez plan d'entraînement. Calculateur d'entraînement, je vous l'ai déjà montré, vous savez, c'est simple, hein, vous décidez d'une caractéristique d'entraînement. C'est-à-dire buteur, voilà. Votre buteur, il commence, il est honorable, il a 17 ans, 0 jours. Niveau d'entraînement adjoint, bah, vous avez normalement deux entraîneurs adjoints niveau 5 depuis le temps. L'intensité, 100%, part d'endurance, 10%. Jour d'entraînement d'ici le prochain entraînement, on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Ce, et vous faites calculer. Et tout simplement, il va vous dire, en partant d'un buteur honorable de 17 ans, 0, bah, vous allez pouvoir voir combien de temps il va falloir qu'il arrive à légendaire, à surnaturel, titanesque, extraterrestre, ce qui est bon vous semble. L'autre euh, possibilité, c'est plan d'entraînement. Plan d'entraînement, c'est plutôt pas mal fait. Je l'ai quasiment jamais utilisé, mais c'est quand même un outil assez important. Ça permet vraiment de voir sur le long terme pour faire un joueur, on va dire, qui a plusieurs caractéristiques. Alors, je vous explique. C'est la même chose, 17 en 0 niveau d'entraînement à 10%, 100% d'intensité. À part que là, vous rentrez les caractéristiques du joueur que vous achetez. Alors admettons, vous comptez faire un milieu de terrain. Euh, on va dire que vous avez acheté un jeune milieu de terrain. Construction, donc on va dire que vous êtes fait plaisir, vous avez pris un petit construction honorable. Actuellement, il n'est que inadéquat de passe, ce qui vous a permis de ne pas l'acheter trop cher. Il a, on s'en fiche, est, on s'en fiche. Bon, je le mets, mais on s'en fiche. Il a une ligne inadéquate. Et puis il a une petite défense. Et plutôt passable. chance, un petit passable défense. C'est plutôt bien. Et puis un petit peu de buteur. Même si on s'en fiche. Et donc là, le plan, c'est l'objectif que vous avez pour lui. Donc forcément, de construction honorable, vous voulez le passer à Titanesque. Et vous aimeriez bien qu'il termine avec beaucoup de passes. Genre, allez, au moins un prix en passe, On se fait plaisir. Et puis, à terme, euh, un petit excès en défense, ça serait plutôt, plutôt pas mal. Voilà. Je ne mets pas d'élié, on s'en fiche. Pas de buteur. Bah, si le buteur est au moins, au moins fait pour qu'il soit content. Pour pas qu'il nous dise euh, qu'il y a un bug. Et lié, je lui ai mis inadéquat. Donc, inadéquat. Voilà. Ben, vous tapez sur calculer. Et là, du coup, c'est, il vous calcule les différentes façons qu'il y a pour arriver à votre objectif pour ce joueur-là. Donc vous pouvez commencer par la passe, par exemple. Lui, le premier plan, il, il vous propose de commencer par la passe. Donc, pour monter à brillant passe, il faudra attendre 23 semaines, quand même. Il aura 18 ans, 43 jours. Après, vous enchaînez sur construction. Ce qui vous amène à 21 71 jours. et est titanesque. Et après, il vous propose défense. Voilà. Pour monter, euh, défense de 76 à 85. Donc, 9 semaines pour passer de inadéquate à excellent. Voilà. Ce qui fait que votre jour est fini à 22 ans, 15 jours. Vous avez une deuxième façon de le faire, donc la 22 ans 15 jours, il vous propose de commencer par la défense, la construction et de terminer par la passe, 22 ans 15 jours, cela ne change rien, et également si on fait la construction, la passe puis la défense, 22 ans 15 jours, ça ne change rien, et encore une autre solution, défense, passe, puis construction, 22 ans 8 jours, vous ah, avez gagné une semaine, c'est formidable, donc voilà, ça permet de vraiment planifier euh, sur le long terme pour, Obtenir le résultat voulu pour un joueur précis, dont vous pouvez vous amuser comme ça, essayer d'emboîter les joueurs les uns avec les autres. Alors, à la fin, au final, votre premier plan, on va pas se mentir, il sera pas parfait, et il va certainement évoluer dans le temps. Votre Premier plan, vous allez le faire. Il y a déjà il y a pas beaucoup de gens qui arrivent à se dire moi, j'ai décidé ça, et c'est parti, mon kiki, je vais pas en bouger un iota. Faudra de la patience. Hein. C'est fixer une ligne directrice. On sait qu'on va arriver sur une équipe qui va sortir du 452 notes. On le sait. Mais en attendant qu'on arrive là, ça prend du temps. Voilà. Moi, mon équipe, euh, j'ai dû commencer en mars 2019, après que j'ai formé gardien. Donc j'ai formé euh, buteur. Là, je suis en train de terminer ailier. Et là, je vais passer à construction. Et juste avant, j'avais formé quand même gardien. Donc euh, vous voyez, donc, euh, gardien fini, j'ai commencé, j'ai attaqué les ailes. Je vois par rapport à mon blog sur le forum. J'ai commencé en mars 2019 ce blog. Et là, à ce moment-là, j'ai acheté mes buteurs. Donc j'avais déjà formé gardien deux ou trois saisons. Buteur, ailier, maintenant je vais attaquer milieu. Je considère que mon équipe est toujours en travaux, elle n'est pas finie. C'est quand j'aurai fini de former milieu, ou du moins quand mes milieux sont tous titanesques, là je pourrais considérer que ça y est, mon équipe elle est faite. Ok, elle fait 420 notes. Ok, 420, 450, peut-être, je sais pas. Là, ça y est, mon équipe est finie. Tout le reste du temps, c'était du temps perdu. C'était du temps de construction. J'en ai rien à foutre des résultats. Bon, il se trouve que j'arrive à gagner mes ligues, mais peu importe. Je m'en fous de gagner une Div 6, je m'en fous de gagner une Div 5. Je m'en fiche complètement, quoi. C'est anecdotique. Ça me fait plaisir, mais on s'en fout. Mon objectif, c'est de monter mon équipe comme j'ai prévu. Et après, ça sera du peaufinage. Là, on va essayer de monter dans les divisions avec cette équipe que j'aurais mis en place. Donc, bah, il va falloir du temps. Donc, votre premier plan, vous, vous le lancez, mais. Voilà. Moi, j'ai prévu mes ailiers, j'ai prévu mon gardien, j'ai prévu mes buteurs, j'ai prévu mes ailiers. Là, pour la face milieu, j'avais pas prévu. Je savais, j'ai formé construction, mais comment j'allais le faire, avec quel joueur, en partant de quel joueur, ça a évolué plusieurs fois. Et là encore, faut que je peaufine, faut que je me mette tranquillement sur une table, à réfléchir, et encore pour deux, trois heures de réflexion avant de vraiment lancer le truc pour la saison prochaine des milieux. Faut vraiment que je prenne une décision. Donc c'est pour vous dire que le premier plan, jeter les grandes bases, sachant qu'on va dire que le troisième cycle il peut être vraiment être peaufiné fini et être changé voilà donc il évoluera dans le temps alors j'ai envie de vous dire on en discute parce que je vais pas vous laisser tomber les gars et Seb il va pas se débiner il va pas vous laisser tomber ok je vous donne pas de plan tout fait mais par contre je vous propose de corriger vos plans de formation c'est à dire que je vous invite à m'envoyer sur guidatrick@sfr.fr votre plan alors peut-être pas tout de suite y a pas d'urgence parce que là, les prochaines vidéos vendredi suivant, vendredi prochain, je vous sors une vidéo sur un joueur clé de votre effectif auquel vous devez forcément réfléchir. Vous verrez ça vendredi prochain. Le joueur clé qui pose problème, qui va falloir réfléchir. Et après, je vais vous faire des vidéos pour vous expliquer comment on fait des belles notes de milieu, comment on fait des belles notes d'attaque, des notes de défense. On va réfléchir à tout ça, quelles caractéristiques il y a. Mais vous avez le temps de réfléchir. Là, je reste dans ma logique de vous apprendre pour que vous compreniez, vous, et après vous puissiez réfléchir et après que vous puissiez décider. Donc on a le temps. Mais je comptais, je vais vous commencer par cette première vidéo pour vous dire, commencez déjà à faire un plan basique. après, il va évoluer au fil des vidéos que je vais vous faire. Vous allez pouvoir l'affiner. Et puis après, ce qui est sympa, c'est de me les envoyer, ces plans. Et comme ça, je vais pouvoir faire des vidéos avec les plans qui se rejoignent plus ou moins. S'il y a des équipes qui veulent faire CA, des joueurs qui veulent faire tir de loin. Pourquoi on en discute Parce que je trouve qu'il est beaucoup plus facile de détecter de l'incohérence sur un plan. Tant que de vous dire, tiens, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Parce que moi, si je vous dis pour une équipe Terre de Moins, il faut faire comme ci, comme ça, ça ne peut pas vous convenir, l'ordre, ça peut pas vous plaire, ce n'est pas très sexy, ça va être chiant. Puis il, faut, il se paramètre, je ne sais pas, moi, si vous voulez intégrer des gens de votre académie ou autre chose. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus pédagogique de vous corriger vos plans à vous, vous dire, attention, là, tu t'es trompé, et puis en plus, vous me connaissez, je ne vais pas vous donner les réponses toutes faites, je vais plutôt vous poser vos questions. Donc, ça va être des feuilletons, en fait. Alors, on va faire des vidéos feuilletons je vais te dire, voilà, tu veux former construction, après, allier pourquoi Pourquoi Comment Dans quel but Est-ce que tu penses que c'est pertinent Vous allez devoir me répondre. Et après, du coup, on va regarder la réponse. Ensemble, et pourquoi Et après, je donnerai vraiment mon sentiment. Mais ça peut être sympa, je pense, un truc un petit peu interactif. Alors, bien sûr, si vous voulez rester anonyme, vous m'envoyez quand même votre nom d'équipe, que je sache qui vous êtes. Mais euh, si vous me dites non, non, mais moi j'ai un petit peu honte, j'assume une... <laughs> pas que je me gaufre et que je dis de la merde, euh, cite pas mon club dans la vidéo, je citerai pas votre club, il n'y a pas de problème. Si au contraire vous assumez, c'est très bien. Moi je dis toujours, il n'y a jamais de question conne, ce qui est con, c'est de ne pas poser de questions. Donc n'hésitez pas, pas à vous ridiculiser, mais n'hésitez pas à faire votre plan comme vous le pensez, à votre niveau de compréhension du jeu, et moi je vais vous aider à y voir plus clair. Alors on va se faire quand même un petit canevas, hein on va pas partir comme ça, euh, je te balance un plan, voilà. Je voudrais que vous me disiez déjà, pour que je comprenne votre projet, le style d'équipe souhaité. Si vous voulez monter une équipe contre-attaque, une équipe tire de loin, une équipe basée sur le jeu créatif, si vous me dites une équipe basée sur le jeu créatif, bah, je pourrais un petit peu vous dire si vous, vous plantez ou pas selon ce que vous prévoyez. Si vous voulez une équipe généraliste capable de jouer un petit peu la contre-attaque, un petit peu le jeu, le jeu créatif, une équipe défensive, une équipe offensive. Bref, bah, parlez-moi de votre projet. Comme vous aimez moi, personnellement, j'aime bien les équipes défense. Je pas à me passer des bonnes notes de défense. Voilà, c'est un truc. Moi, il me, faut des, il me faut de la défense. Si ma compo d'équipe, l'adversaire, il a 40% de chance de marquer, je suis pas content. Moi, il faut que j'ai de la bonne défense. C'est comme ça, à chacun son trip. D'autres, ils aiment bien voir à la barcelonaise la possession et des grosses notes d'attaque. Voilà, ben moi, j'ai des grosses notes de défense. À chacun son trip. Et donc, après, vous allez me faire étape de formation. Cycle 1, je vais former telle caractéristique, par exemple construction, jusqu'à tel niveau pendant donc tant de saisons. Et puis après, je vais vendre euh, deux ou trois joueurs. Bah, vous formez six milieux, vous décidez d'en garder trois, vous décidez d'en garder quatre, vous décidez d'en garder cinq. Ça va me rapporter tant de millions, je vais acheter tel jeune pour tant de millions et je vais former telle caractéristique jusqu'à tel niveau, tant de saisons, etc. etc. Et m'indiquer également s'il y a des achats de joueurs non entraînés prévus. Moi, au tout début, je pensais tout former. Former également défenseur. Je me suis rendu compte c'est pas possible. Si en plus je forme défense, mais c'est hyper méga long. Euh, le gardien que j'ai formé au début, quand la défense va être terminée, mon gardien a 35 ans, donc ça va pas être possible. Donc j'ai dû me résigner à décider, bah je vais acheter une défense. Mais là, je me suis acheté deux défenseurs surnaturels que je formais ailier pour qu'ils chopent de l'ailier. Et là, j'ai prévu, bah, là, je vais claquer. Je sais pas moi, je vais acheter un, tit... un gardien, un un défenseur titanesque, un autre extraterrestre ou mythique costaud pour faire du marquage individuel. Je M'envoyer une facture de je sais pas moi 10, 10 millions d'euros quoi, peut-être certainement, mais voilà, j'ai prévu, j'ai les fonds, c'est pas un problème. Mais voilà, je l'ai prévu dans le plan, j'ai dû me résigner à pas former défense. Donc il y a aussi ce paramètre d'achat de joueurs dans l'entraînement. Alors ne prenez pas peur, ne prenez pas peur, faites votre plan de formation avec votre vision actuelle, date Il y aura des erreurs, mais je suis là pour vous aiguiller et puis ça paraît compliqué comme ça, mais au final, non, c'est pas si compliqué que ça. À la vite faites un truc basique, parce que faut vous dire autre chose. Votre première équipe, ça va pas être votre équipe de, de toujours. Tous les managers d'Atrix montent une première équipe, elle devient vieillissante un jour, ou bien pour X raison on en a marre de perdre, on se dit waouh, fait chier, j'ai envie de recommencer On met tous les joueurs en vente, on impose 50, 60, 70, 80, 100 millions d'euros, et on recommence une deuxième équipe avec ce magnifique euh, magnifique trésorerie. Donc voilà. Votre première équipe va être... C'est pas qu'elle va être ratée, mais c'est très très difficile de réussir une première équipe avec 300 000 euros. Je suis en train de monter une deuxième équipe en Écosse. Elle va pas être ratée. Parce que j'ai 15 ans de jeu derrière moi et voilà. Et j'ai un plan précis pour le réussir. Donc elle, elle ne va pas être ratée, même en portant avec 300 000. Parce que j'ai 15 ans de jeu. Vous vous débutez, votre première équipe, clairement, elle sera nettement moins optimisée, optimisée que votre équipe dans 4 ou 5 ans IRL si vous êtes toujours sur Hattrick, Voilà. Donc c'est pas grave, fixez-vous un but, faites-vous plaisir, envoyez-moi vos, vos plans de formation. Alors attention quand même, parce que j'en suis rendu bientôt à 350 abonnés, merci à tous pour votre confiance. Euh, J'ai vu que la dernière vidéo questionnaire avait eu fait 200 vues, on va dire que sur les 200 vues, peut-être euh, peut qu'il y a une centaine de vues de gens sérieux qui la regardent, on va dire qu'en moyenne mes vidéos, allez, à fond de vues, il y a peut-être une centaine de personnes qui la regardent vraiment du début à la fin parce qu'une vidéo de 15 minutes elle a une moyenne de vision de 7 minutes. C'est-à-dire qu'il y a des gens ils se cassent avant, je dois être chiant, c'est pas intéressant, ils regardent pas tout, mais ils sautent des passages. Pas de souci, ils ont le droit, hein, vous faites ce que vous voulez. Donc, je veux dire, je peux potentiellement me retrouver avec une centaine de plans de formation. Alors si vous êtes une centaine à m'envoyer vos plans de formation, ça ne va pas être possible que je traite tout. Vous aurez tous au moins une petite réponse personnalisée dans le mail. Ça peut prendre beaucoup de temps. Ce que je voudrais, c'est regrouper des plans de formation. Voilà pour ça que je vous marque style d'équipe souhaitée. Euh, parce que ben si euh, voilà je peux regrouper les équipes qui veulent faire contre-attaque, les équipes qui veulent faire terre de loin, les équipes défensives, offensives et justement voir la vision de chacun que vous avez donc vous allez apprendre des autres ah tiens ben, lui il a pensé à ça moi j'ai pas pensé ah ben ça c'est pas con et puis moi voilà je vais vous signaler ça enfin voilà c'est ce but de vidéo que je veux faire dans plusieurs semaines un petit peu interactive mais un petit peu qui vous qui, qui tient compte de vous qui qui un échange voilà quoi alors voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, on va voir un joueur clé essentiel de l'effectif à avoir. Et puis après, on va parler de comment faire des notes, des belles notes de secteur de jeu. Donc, à quoi il faut réfléchir pour obtenir des belles notes de secteur de jeu. Je reviendrai également sur l'entraîneur. On parlera des salaires des joueurs qu'il faut aussi un petit peu anticiper. Enfin voilà, il y a encore un petit peu de boulot sur la chaîne et j'espère que ça va vous intéresser et que ça va être un petit peu, un petit peu vivant et dans le vif du sujet pour vous. Merci pour ceux qui nous suivent et puis merci pour, que, pour ceux qui me laissent un petit commentaire. Allez, ciao, ciao, à bientôt.